Est-il encore besoin de présenter Michaël Milon à des karatékas? En effet, Michaël est le premier Français à avoir pu détrôner les Japonais sur leur terrain favori, le kata. Après avoir remporté plusieurs championnats de France, Coupe de France, Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, Michaël a obtenu la consécration ultime pour un sportif, être champion du monde. Et ceci en 1994. Mais cela ne lui suffit pas. En 1995, il gagne la Coupe du Monde et gageons qu'il ne s'arrêtera certainement pas là. Nous avons pris le parti de vous montrer, en début de ce programme, son kata favori, Unsu. Celui en effet avec lequel il réussit à gagner la plupart des compétitions. Il s'agit de séquences filmées à différents moments lors de ces compétitions. Michaël est donc le spécialiste incontesté des katas, mais il est reconnu par ailleurs comme un excellent combattant. C'est donc les deux côtés du karaté, kata et kumite, que nous allons développer. Dans ce premier volume, intitulé « Dynamique de base », nous allons vous proposer toute une série d'exercices afin d'améliorer vos conditions de pratique. Mais commençons par le début, le salut. Le salut à genoux se nomme « zarai ». Il se fait vers le shomen, le mur d'honneur, et ensuite entre les partenaires. Une fois ce salut effectué, vous remonterez dans la position musubidashi, c'est-à-dire talon serré et pied ouvert à 45 degrés. Le deuxième salut, ritsurei, est le salut qui se fait debout. Ce salut se fait à chaque début d'exercice entre partenaires. Pendant chaque entraînement, il est important de consacrer une partie de son temps à l'échauffement. En effet, pendant l'entraînement, les articulations et les muscles vont être sollicités de façon très dure. Il est donc nécessaire non seulement de les assouplir, mais de les échauffer. Toutes ces positions d'échauffement ont pour principe, bien entendu, de travailler aussi les positions de jambes. Ainsi, nous sommes passés de la position yokogiri à la position kakatogiri. Cet exercice a pour but de travailler la position zenkutsudashi. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Dans la pratique du karaté, la coordination est très importante. C'est pourquoi il est nécessaire de bien assouplir le buste afin de pouvoir coordonner celui-ci avec les jambes. Nous vous conseillons de faire tous ces exercices en même temps. Asseyez-vous, et maintenant, à partir de la position assise, vous allez travailler l'ouverture articulaire de vos hanches. Vous pouvez soit attraper la pointe du pied, soit le talon par l'intérieur. L'équilibre fessier latéral permet de travailler la stabilité. Dans l'équilibre fessier facial, il est important de ne pas pencher le buste vers l'arrière. Dans cet exercice, essayez de toucher le front sur le genou. Ensuite, ouvrez votre hanche en vous aidant de l'avant-bras en poussant sur le genou. Maintenez la position, bien entendu, un peu plus longtemps, pour ensuite passer dans celle-ci. Thank you.
La symétrie de tous les exercices est indispensable. Il est important de bien maintenir le dos droit de manière à favoriser le travail de la colonne vertébrale. Maintenez le buste droit en touchant le menton au sol. Maintenant, essayez de toucher vos coudes sur le sol. Maintenez le dos toujours bien droit, la tête et le menton toujours dans l'axe. Cette série d'exercices a pour but de maintenir l'ouverture de la hanche sous différents angles. Répétez les mouvements ensuite de l'autre côté. Enfin, revenez à la position initiale, jambes écart. Redressons-nous. Et maintenant, travaillons les articulations du genou. Nous allons effectuer une série d'exercices en remontant progressivement le long du corps. Travail de rotation des hanches. Travail de rotation des épaules. La mobilité au niveau des épaules vous permettra une plus grande précision gestuelle. Maintenant, nous allons travailler des étirements spécifiques aux techniques karaté. Le travail à l'espalier permet de prendre des points de repère pour voir ainsi sa progression. Dans cet exercice, vous allez chercher à tendre les bras et à descendre de palier en palier. L'étirement qui suit permet de monter le genou pour le travail du mawashigiri. Maintenez bien votre tibia avec votre main. Travail de face pour la technique Maegri. Travail latéral pour la technique Yokogiri. Même chose de la jambe droite.
Une fois ces exercices individuels faits à l'espalier, décontractez-vous deux par deux. Pour le travail du Maïeri, votre partenaire va monter votre jambe en maintenant votre genou bien droit, bien dans l'axe. N'oubliez pas de bien monter votre genou avant de tendre votre jambe. Le même schéma, bien sûr, lorsque vous allez redescendre votre jambe, c'est-à-dire maintenir le genou levé, avant de reposer la jambe au sol. Travail pour le Yokogiri. Le schéma est identique au précédent. Bien monter le genou, lever la jambe et garder le genou levé lorsque vous allez ramener votre jambe au sol. Pour celui qui porte, il est important de garder le dos droit afin de ne pas fatiguer son dos. Revenons à des exercices individuels pour le travail du Maïgiri. Monter le genou et maintenir la jambe bien tendue dans l'axe du corps. Travail d'équilibre sur Yokogiri. Travail pour la technique circulaire, Mawashigiri. Montez votre pied, posez et maintenez votre dos le plus droit possible. Respectez le même écart entre les deux jambes. Dernière série d'exercices au sol afin de se décontracter. Ramenez votre genou le plus près possible de votre poitrine et changez. Les deux genoux ensemble. Tendez vos jambes vers l'arrière. Tendez vos jambes vers l'avant. Descendez le buste. Et aidez-vous de l'avant-bras afin de faire pivoter votre buste autour d'un axe. Les positions de base du karaté sont très importantes. Les premières positions que vous allez rencontrer sont celles du Zen Kutsudashi. Zen Kutsudashi signifie littéralement fléchi vers l'avant. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue. L'écart est naturel entre les deux jambes, celui des épaules. Position Kokutsudashi. Position défensive. La flexion se fait vers l'arrière. Kokutsu signifiant flexion arrière. Là, les deux pieds se situent sur le même axe, le long d'une ligne imaginaire. Position Kibadashi, la position du cavalier. Cette position est une position extrêmement stable et très forte.
Les pieds sont parallèles et la flexion des jambes est équilibrée. Position Soshindashi. Position beaucoup plus offensive. Le pied avant est tourné à 45 degrés vers l'intérieur. Légère flexion de la jambe arrière. Cette position est beaucoup plus dynamique que la position Zenkutsu Dashi. Position Nekoashi Dashi, la position du chat. Pensez à bien relever le talon en appui sur la pointe du pied. L'une des positions préférées de Michael dans le kata unsu. Décrivez une sorte de point d'interrogation. Position Sanshin. La position des marins. C'est une position qui permet de protéger le bas-ventre. À l'origine, on dit que cette position permettait aux marins de contrebalancer le tangage des bateaux. Décrivez un demi-arc de cercle en maintenant le pied avant à 45 degrés vers l'intérieur. Position Shikodashi. C'est une position beaucoup plus ouverte où les pieds se situent à 45 degrés vers l'extérieur. Seiken Tsuki. Uraken. Iraken. Iponken. Tetsui. Ippon Nukite. Gohan Nukite. Shuto. Haito. Koken, Teisho. Application 2 par 2 au niveau Jodan. Jodan signifiant Jo, le visage, Dan, le niveau. Cet exercice est à répéter plusieurs fois afin de travailler la précision et le contrôle. La plupart de ces attaques peuvent être utilisées aussi en blocage. Précisons que ce travail doit être exécuté avec la pointe du coude, Yoko, MP. Nommé Ijiate. Otoshi, MP.
Application 2x2. MyAMP. MawashiMP. YokoMP. OtoshiMP. UshiroMP. Les techniques de bras peuvent être aussi utilisées en défense. Jodan Ayuke. Chudan Sotouke. Niveau moyen. Chudan Uchiuke. Gedan Marai. Niveau bas. Gedan Arayuke, niveau bas. Observez bien. Remontez le bras en pivotant le poignet sur la fin. Dans chaque blocage, la rotation du poignet est importante afin de verrouiller le bras et les hanches en même temps. Une dernière fois l'exercice. Maintenant, appliquons ces techniques de défense avec les déplacements que nous avons vus préalablement. Jodan Ageuke en Zenkutsu Dashi. Chudan Sotouke en Zenkutsu Dashi. Chudan Uchiuke, toujours dans la même position. Le niveau du poing ne dépasse pas celui de l'épaule. Gedan Marai, Zenkutsu Dashi. Arayuke, position Kibadashi. Chutouke, position Kokutsu Dashi. Il est nécessaire de bien synchroniser le déplacement du corps avec le lever du bras. Nous vous conseillons de répéter cet exercice plusieurs fois, une fois lentement et ensuite le plus rapidement possible en maintenant la position pendant 2-3 secondes.
Ce travail régulier et quotidien au début est nécessaire à une bonne pratique du karaté. Sur le shuto, il est nécessaire de bien armer la paume de la main à l'oreille et de développer le mouvement sur une demi-trajectoire circulaire. Après avoir travaillé individuellement les techniques de blocage, travaillons-les deux par deux. Premier blocage. Jodan Agiuke sur Jodan Tsuki. Deuxième blocage, Chudan Sotouke sur Chudan Tsuki. Troisième blocage, Chudan Uchiuke sur Chudan Tsuki. Position Zenkutsu Dashi. Quatrième blocage, sur Maegiri, coup de pied de face, blocage Gedan Marai. Cinquième blocage, sur Maegiri toujours, blocage Arayuke. Position Kibadashi. Dernier blocage sur Chudansuki, blocage Shutouke, position Kokutsudashi. Le travail en Kion est une série d'exercices individuels en avançant avec une recherche d'efficacité maximale. Sur ce Kion, dans un premier temps, Jodan Oitsuki. Deuxième temps, Chudan Gyakutsuki. Troisième temps, Chudan Uraken. Quatrième temps, Chudan Ushiro Empi. Kizami Gyaku. Oitsuki Gyaku. Oitsuki Gyakutsuki. Le déclenchement de l'attaque doit se faire simultanément avec le déplacement des pieds. À la fin de chaque technique, il est important d'observer un moment d'arrêt, que l'on appelle le kimé, l'instant où l'engagement est total dans l'action. Jodan Uraken Gyakutsuki. Jodan Uraken Gyakutsuki. Lorsqu'une technique arrive, il est important qu'elle reparte aussi vite qu'elle est arrivée. Le mot kata signifie forme ou moule.
C'est une sorte de chorégraphie de combat qui s'exécute seule avec des partenaires imaginaires. La connaissance des katas de karaté-do fait à la fois partie d'une culture martiale traditionnelle et des outils pédagogiques dont nous disposons à chaque entraînement pour apprendre le karaté. Le kata sert donc de codification technique à une préparation du combat. Dans ce premier kata, Taikoku Chodan, nous revoyons les techniques que nous avons apprises tout à l'heure. En fait, le kata est bien plus qu'un combat contre plusieurs adversaires imaginaires. Le kata est le travail idéal pour permettre à chacun de jauger ses possibilités. Équilibre, technique, précision, vitesse, détermination, mémorisation, vigilance, dynamique, autant de paramètres indispensables à la réalisation d'un bon kata. Vous l'aurez finalement compris, le kata est donc non seulement un combat contre les autres, mais il est surtout un combat contre soi et ses imperfections. Au-delà de la précision gestuelle, de la forme technique employée, la vitesse et le rythme du kata seront déterminants dans l'acquisition des techniques. C'est en effet à travers elles que le karatéka forgera ses armes. L'exécution des trois premiers kata taikyoku ne nécessite une connaissance minimale des techniques karaté. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas là forcément des katas les plus simples. L'exécution de Heian Shodan est légèrement plus complexe que la série taikyoku. Mais dans ces quatre katas, aucune technique de jambe particulière n'est requise.
Le schéma de ces quatre katas reste identique. Pour chaque kata, il existe ce que l'on appelle des bunkai kumite, c'est-à-dire littéralement des applications combat. Ces applications permettent de mettre en situation réelle les techniques utilisées dans le kata. Tsumasaki, pointe du pied. Josokutai, dessous des orteils. Sokutogiri, tranchant du pied. Ashiate, dessus du pied. Mikazukigiri, bol du pied. Kakato, le talon. Application 2 par 2 des techniques. Maegiri, coup de pied de face. Mawashigiri, coup de pied circulaire. Yokogiri, coup de pied latéral. Ura Mawashigiri, coup de pied avec le revers du pied. Tsumasakigiri, coup de pied avec les orteils. Mikazukigiri, coup de pied demi-circulaire avec le bol du pied. Kakatogiri, coup de pied avec le talon. Ensuite, nous avons les articulations du genou. Isa, Mawashi, Isagiri. Et protection avec le genou en Isagiri. Application 2 par 2. Mae Isagiri. Mawashi Isagiri. Et blocage avec le genou. Exercice d'équilibre individuel sur Maegiri. Mawashigiri. Yokogiri. Ura Mawashi. Mikazuki. Ushirogiri. Voici les applications 2 par 2 des techniques de pied. Mawashigiri à 3 niveaux différents. En bas, Gedan, au milieu, Chudan, en haut, Jodan. Application sur Yokogiri. Fumikomi au niveau du genou. Chudan Yokogiri. Jodan
visage. Shiro Iri. Mikazuki Iri. Voici un exercice individuel de Kion. Maïri. Mawashigiri, Yokogiri, Uramawashigiri, Kakatogiri, Mikazukigiri, et on termine la rotation par Ushirogiri. À vitesse normale. Le même principe du kimé est à respecter pour les techniques de pied. C'est-à-dire l'arrêt pendant une fraction de seconde de la technique au moment final. Maintenant, combinons les techniques d'attaque de poing, les techniques de blocage et les techniques de pied. Sur Oitsuki, blocage Uchiuke, contre-attaque Jodan Mawashigiri. Deuxième attaque, Jodan Suki, blocage Jodan Ageuke, contre-attaque Ura Mawashigiri. Troisième attaque, Maegiri, blocage Gedan Barai, contre-attaque Chudan Gyakutsuki. Combinaison d'attaque individuelle, Maegiri, Kizamitsuki, Gyakutsuki. À vitesse normale. Il faut noter qu'au karaté, chaque action doit être déterminante. Deuxième série d'exercices. Mawashi, Uraken, Gyakutsuki. Nous travaillons ici sur deux niveaux, Jodan, Jodan et Chudan. Vitesse normale. La position de départ est Fudodashi, position de combat. Et pour terminer, voici quelques images de compétition pour vous montrer l'efficacité des techniques.
Voilà, vous avez pu découvrir les techniques de base d'attaque et de blocage. Afin d'adopter un style résolument dynamique en karaté, il est nécessaire de pratiquer régulièrement tous ces exercices. Vous devez rechercher constamment le maximum d'efficacité.